Bienvenue, vous n'avez pas le temps de faire Tomb Raider Legend. Ce n'est pas grave, nous allons faire un résumé du premier jeu de la deuxième chronologie. La chronologie Legend comprend trois jeux, Legend, Anniversary et Underworld. Nous allons donc commencer, bien entendu, avec Legend. Lara revient en force après la catastrophe de l'Ange des Ténèbres. Une de ses amies de faculté, Anaya, lui donne des informations sur un socle en pierre gravé qui se trouve en Bolivie. Alistair, je te présente Tiwanaku. C'est une charmante civilisation pré-Aka, actuellement en ruine. Mais elle n'est pas la seule sur ses traces. Elle rencontre James Rutland qui lui montre un fragment d'épée, lui parle de Paraiso et aussi de Amanda, une ancienne amie de Lara portée disparue et laissée pour morte. Oui, Rutland semble en savoir énormément. Le socle en pierre gravé, quant à lui, ressemble beaucoup à celui que Lara avait vu quand elle avait 9 ans au Népal. Un petit flashback nous apprend que sa mère a disparu d'une façon étrange en utilisant une épée sur le socle gravé au Népal. Oui, tout est lié. Recule ! Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose dans la lumière, reste ici. Oh non ! Lara et Anaya se rendent au Pérou et retournent à Paraiso pour y trouver des réponses. Les deux partent pour le vieux site de fouilles et se remémorent la tragédie qui s'est produite des années auparavant. Lara, descends donc, flemmarde. On y apprend comment la quasi-totalité de leur équipe s'est fait tuer par une créature des ténèbres, j'espère vraiment que ce n'est pas un ange, et aussi comment Amanda a été laissée pour morte. De retour dans le présent, Lara trouve une chaussure appartenant à Amanda, mais pas d'Amanda, et en déduit qu'elle est encore en vie. Elle en apprend aussi sur la légende du temple de Paraiso, qui est très proche de la légende d'Arthur et Excalibur. Lara se rend ensuite au Japon pour aller récupérer une partie de l'épée qui est en possession d'un chef Yakuza, Shogo Takamoto. Bien entendu, les négociations se passent mal, et Lara est obligée de déchirer sa robe, et n'a jamais été aussi bonne. Elle est stylée. Ils ont bien fait ces vêtements, honnêtement. Lara finit par affronter Takamoto qui utilisait le morceau de l'épée pour gagner des pouvoirs surnaturels. Mais Lara arrive à prendre le dessus. La suite se passe au Ghana. Lara apprend que Rutland cherche des informations sur cette même épée après une rencontre mouvementée qui finit aussi par un affrontement avec Rutland qui lui aussi utilisait son fragment d'épée pour avoir des pouvoirs. Lara prend le dessus mais décide de ne pas le tuer. Ce n'est pas moi votre ennemi, Rutland. Elle finit par apprendre que son père, qui avait visité ce temple il y a plusieurs années, avait peut-être trouvé une clé, la clé Galani, qui permet d'assembler l'épée. Rutland lui confirme aussi qu'Amanda est bien vivante et qu'ils travaillent ensemble. Et en parlant d'Amanda, au même moment attaque le manoir Croft, cherchant cette même clé, mais sans succès. La suite se passe au Kazakhstan dans un laboratoire de recherche soviétique. Dans les années 50, des expériences ont été menées sur un des fragments de l'épée et ainsi que la technologie Tesla. Non pas les voitures, mais bien entendu cela a mal tourné et le laboratoire a été fermé par le KGB. Pendant l'exploration du laboratoire, Lara trouve un bouclier qui aurait appartenu à Lancelot. Oui, encore un lien avec la légende arthurienne. Sur le bouclier, une carte y est gravée qui indique Cornouailles en Angleterre. Mais avant de partir, Lara rencontre enfin Amanda. Amanda étant devenue gothique, utilise une pierre trouvée à Paraiso qui a pour effet de contrôler cette créature des ténèbres qui avait fait tant de morts à l'époque. Mais avec le pouvoir de Elon Musk et des Tesla, Lara vient à bout de la créature et finit par récupérer un autre fragment de l'épée. Maintenant partie pour Cornouailles, Lara explore des catacombes qui se trouvent être le véritable tombeau du roi Arthur. Zip et Alistair, les acolytes de Lara, alors oui j'en parle que maintenant, mais Lara dispose d'amis qui travaillent à temps plein pour elle. Exactement comme les films avec Angelina Jolie, qui sont de très bons films hein, au passage. Dans tous les cas, lui explique qu'Excalibur et l'épée du rocher sont peut-être deux épées distinctes. Au fond du tombeau, Lara trouve enfin la tombe du roi Arthur et ainsi que le dernier fragment d'épée. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver cette fameuse clé. Lara comprend en regardant un portrait de sa mère qu'elle portait toujours une broche donnée par son mari, donc le père de Lara, et que la broche ressemble énormément au matériel de l'épée. Ce pendentif venait de votre père. Je me suis toujours demandé d'où il le tenait. Lara part donc pour le Népal où l'accident avait eu lieu, récupère la broche qui est bien la clé de Galani et finit par rassembler Excalibur.
De retour en Bolivie, Lara combat les hommes de Rutland et le rencontre à nouveau. Mais cette fois-ci, il ne survivra pas. James ! Désolée, Amanda. Vraiment. Amanda, fou de rage, fusionne avec sa créature et un combat entre Super Amanda et Lara équipée d'Excalibur commence. Ça ne marche qu'une fois et la place sera pour moi seule. Après une longue bataille, Lara prend le dessus, puis utilise l'épée sur le socle gravé. Un portail temporel s'ouvre et donne vue sur la mère de Lara. Les événements du présent et du passé sont bien liés. C'est Lara, ta fille! Comment ça, ma fille? Amanda, n'étant pas morte, crie à Lara de retirer l'épée du socle, mais à la place, c'est sa mère qui finit par le faire, déclenchant une explosion et bien entendu sa disparition. Amanda est donc au final la cause de la disparition de la mère de Lara. Lara, folle de rage à son tour, rend Amanda sourde et lui demande ce qui est arrivé à sa mère. Je t'ai dit de prendre l'épée. Je te l'ai dit. Où est ma mère? En Avalon. Ce n'est pas un mythe. Tu ne comprends pas. Amanda lui explique qu'elle n'est pas morte mais partie pour Avalon. Lara la remercie. De moi. Ceci va donc conclure notre premier épisode sur la chronologie légende. Si vous désirez voir le let's play complet du jeu, il est disponible pour les membres et sera dans la description. Pensez à aimer la vidéo et la partager si vous voulez voir la suite de l'histoire. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.